C'est que du bonheur, c'est un bonheur en plus partagé avec tout ce public, ce dont on nous a privé l'année dernière et l'année d'avant, et 2-3 ans, nous étions à Rouen et nous n'avions pas pu célébrer avec d'autres publics, donc voilà, c'était tellement attendu ce moment que je suis ravi et les mots ne viennent pas, je suis apaisé, ravi, joyeux pour tout le travail qui est fait avec ce groupe, c'est magique le sport. Oh, on n'a pas calculé, le destin est ainsi fait et ça nous a permis de partager avec d'autres publics qui est énorme, qui a répondu présent, qui nous accompagne avec fidélité et beaucoup de voix lors des matchs. Enfin voilà, c'était un énorme moment. On va tout gagner. L'année prochaine, on a la Coupe de France, on a la CHL, on a la Magnus, on ira se battre sur tous les terrains avec une équipe encore meilleure, en gardant notre ossature. Enfin voilà, on sera fort, fort. Beaucoup d'ambition. Et quand on voit ça, c'est juste magnifique. Hein. On pouvait pas rêver mieux, finir chez nous un match 5. Et en plus, on a une belle victoire avec la manière, donc c'est juste une soirée parfaite. Ouais, c'est pas plus mal au final, on est content. non, mais de toute façon, on savait que ça allait être une série compliquée. On est allé chercher deux grosses victoires là-bas et ce soir, on voulait absolument finir chez nous. Notre public a été magnifique toute l'année, on voulait leur offrir ça aussi, donc on est vraiment satisfait. Ouais. Maintenant, on va quand même fêter le titre et puis après, on va repartir avec les Bleus, donc ça va être sympa. Ouais. Comme j'ai dit, on va fêter ça avant et puis après, on va se remobiliser pour l'équipe de France et pour faire quelque chose de beau au Mondial. Ouais.